Ils ont mis bagage d'une femme mariée au dehors à Abidjan là-bas. Parce que son mari dit que tous les dimanches là, elle va partir à l'église matin, 7h. Elle peut venir à 17h. Il n'y a pas mangé. Elle ne connaît pas qu'il faut préparer manger pour déposer au frigo, pour que même si tu n'es pas là, monsieur peut prendre pour chauffer pour manger. Au pire des cas, là, le monsieur peut prendre pour chauffer pour manger, si tu n'es pas là. Mais elles ne connaissent pas ça. Tu es à l'église, tu t'en vas à l'église matin, que tu viens à 17h. C'est quel genre de prière on fait comme ça, jusqu'à 17h. Hein? Tu es dans l'église là-bas sur Talon, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Tu n'as pas préparé riz, tu veux aller dans Jérusalem, c'est ton pays. C'est ton pays. Pourquoi vous aimez mélanger les choses? Vous... Eh Seigneur, le problème inutile, c'est ton pays. Hein? Tu as demandé un foyer, Dieu t'a donné un foyer, mais tu négliges foyer pour aller à la nouvelle Jérusalem. Vous voyez comment vous faites les choses depuis. C'est même Dieu même, c'est vrai qu'il est, étonné, quoi. Soit il rit, même soit il pleure mal. Il dit que vraiment, mes enfants, là, je ne sais pas, c'est quel genre de gamme, ça. Hein? Les pasteurs, même, à une certaine heure, toutes les femmes mariées doivent rentrer dans leur foyer. Hein? Ça doit être un code dans l'église. Avant de venir, assurez-vous que tout est au point. Si ton mari n'est pas chrétien, si ton mari ne va pas à l'église, tu dois t'assurer que avant de quitter la maison, tout est au point. Tout est net. Tout est disponible pour le monsieur. Hein? Même si tu as mis ça aussi, ce n'est pas une raison de partir à 7h pour venir à 18h. Ça, c'est quel genre de truc? Ah! Quand tu parles, on dit que tu n'es pas chrétien. On dit que tu n'adores pas Dieu en vérité. Vous exagérez, franchement. Vous exagérez. Mon frère, vraiment, je ne sais pas. Que Dieu apaise ton cœur. Que Dieu apaise ton cœur. Il faut prendre ta femme et puis tu as des conseils. Peut-être même il a donné conseil, il dit qu'il a donné aussi, il a trop parlé, il est fatigué. Hein? Affaire d'église quoi.